Chapitre 16. Roi Hugo. Et moi qui te pensais invincible? C'est pas le cas. J'ai parfois tendance à l'oublier. Ah bah il fait un peu plus clair là, non? Lucas. Je veux te dire... T'es vraiment beau gosse, j'ai un crush sur toi. Que c'est un honneur de t'avoir à mes côtés. Tu es la personne la plus fiable, loyale et gentille que j'ai connue en ce monde. J'en sais rien. Ça ressemble à des adieux, ça, hein? Vous êtes ma famille. Vous dites tout ça parce que vous pensez que c'est la fin? Ouais, je pense, hein. Pas toi, Sophia? Vous avez encore plein d'années devant vous, alors restez en vie. Oh non, non, Sophia, tu vas pas te sacrifier pour nous! Ça, on connaît aussi ce genre de phrase! Sophia va nous faire une Gandalf, là! Dans les mines de la Moria, encore. Il doit vivre. Il mérite tellement mieux que ce qui lui arrive. Maintenant, fais attention à toi. Oh là, ce regard! Regardez là! On sent qu'elle veut en découdre! Et elle n'est pas couturière! Roi Hugo! Trouvez Hugo! Bon bah, Hugo! Genre. Oula, non, Hugo, non, arrête! Ok, je tiens. Oh, oh, attends, 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 attends! Le plaisir de sentir ça dans sa manette! Qui se réalise. Bon bah c'était le plaisir. Véritablement, je suis happy. Hein? Quoi? Attends, 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 attends. Petit établi. Établi. Oh! Voyons ce qu'on peut faire. Non, 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 arrête-toi. Je suis à 54. Attendez, il y a peut-être moyen qu'on améliore. Il y a peut-être moyen qu'on améliore les ressources alchimiques. Hop. Petit recyclage. On va également hop, faire ça. J'ai utilisé beaucoup, beaucoup Distinguis, hein. Hop là. Impeccable. Oh là là, mais c'est affreux. Donc, normalement, je pense que je peux améliorer un truc encore à fond. Oh non! Ah, c'était 80! Ah, je peux rien améliorer. Bon, on va attendre un petit peu. Je pensais que c'était 65, mais non, c'est amélioration numéro 2. Parce que ça permet de les étourdir plus longtemps, mais c'est pas très utile. Oh là. Mon dieu, ce bruit. Ouais, mais vous avez pas la sensation dans la manette, hein. J'ai l'impression que ça roule dans la manette, hein. Véritablement. Oh, j'ai hâte de... J'aimerais vraiment sur des jeux full next-gen où vraiment c'est exploité comme dans Astro Playroom la manette comme ça. C'est la première fleur qu'Hugo m'a offerte. Juste avant qu'on te rencontre, Lucas. Ah ouais? Je me sens vieux. Un œillet. Cette fleur va sûrement lui ramener le sourire. C'est pas un truc dont on met dans les classeurs, ça? Là, je suis sûr qu'Hugo, il est sur son trône comme ça, là. T'es mal, beau gosse. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette boule? On dirait un ravioli vapeur. Mais qu'est-ce que c'est? C'est lui, tout ça. Il ne fait plus qu'un avec la macula. On doit vraiment plonger là-dedans. Fais du surf. Petite planche, là. Désolée. C'est pas grave. Je me suis assez amusée, j'imagine. Et mon bateau est fichu, de toute façon. Ouais, mais ça se répare. Dis-moi seulement si on a une chance. J'en sais rien. On arrive jusqu'à lui, peut-être. Mais ce sera une longue plongée. Écoutez, j'y vais. C'est à moi de... Amicia, nous avons besoin de tout ce qu'il relie à ce monde. Et nous sommes tous liés à lui. Alors... Alors on plonge. Je suis pas trop chaud, elle doit être fraîche l'eau là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Je suis vivante.
Moi aussi. Elle est cassée? Non, non, c'est juste... Est-ce que ça va? Sophia est blessée! J'essaie de vous rejoindre! Bouge pas! Je te l'avais dit, je suis pas faite pour la terre ferme. Quant aux atterrissages, c'est encore pire. Pardon. Ne t'excuse pas. Tu nous as tellement aidés. Lucas et moi, on avait déjà fait ça avant. Plus ou moins. Il n'y aura pas de marin à la fin de cette histoire. C'est triste. Va. Et reviens avec lui. On se reverra, toi et moi. Continue. Hugo est tout prêt. Il faut trouver Lucas d'abord. Alors, je sais pas si j'avais coupé la cam ou pas, mais j'ai sursauté ma mère, là. Toutes les membres de ma famille, quand la poutre, elle est tombée, là. Je pensais que c'était tombé sur Sophia. J'ai fait un bond. Je sais pas si j'avais coupé la cam ou pas à ce moment-là, pour vous laisser profiter de la cinématique. Mais c'était abusé. Oh. Mais les raies, ils nous bouffent pas, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Et salut Mélanie, comment tu vas? La cam était coupée. Ok, vous avez loupé, mais c'est pas grave, j'ai fait... Vraiment, j'ai sursauté comme un screamer. Waouh! Attends. La moindre erreur, on est mort, mon pote, hein. Mais j'ai compté et ils ont toujours le même rythme. Ouais, combien de rythmes en seconde? Alors. Alors oui, mais je dois aller où? Attends, parce que j'ai pas réfléchi, hein. Faut que j'aille à la maison, je pense, en face. Vous pensez qu'il faut que j'aille à la maison en face, là? Ok, let's go. Allez, cours ta mère! Oula, 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 oula! C'est bon. Oui. Continuons d'aller vers les murs qui sont toujours debout. On se cache, on attend et on recommence. Ok. Oui. Ouvre la voie. Bien, ça va, on est sur la fin du jeu. Très clairement. Allez, cours, 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 Ok, cours, 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 cours. Ça passe, 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 ça passe. Là, le problème, c'est qu'on va faire ça. Ok. Non, la grille est pas encore ouverte. Ok, il y a l'air d'avoir un mur un peu après. Attends, attends, attends. Il faut qu'il pète la grille, mon pote. Il faut qu'il pète la grille. Voilà. Allez, Hugo. Oh non, pas ce mur là, c'était le mur où je voulais aller. Oh la vache. Oh, je suis dans la merde. Putain, mais il est loin en plus. Il est dans un ravioli aux crevettes là. Non, sans déconner, tiens le mur, que je puisse réfléchir où est-ce que je vais. Ok, je peux peut-être aller là-bas. Qu'est-ce qui tient encore? Qu'est-ce qui tient? Mais ça va nous passer dessus, ça va être un enfer. Ok, on y va, mon bran. C'est bon, 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 c'est bon. Oh la vache! Ok, faut que j'aille là-bas. Comment j'y accède? Faut que je fasse le tour. Ok, on respire, on respire, on respire. Là, je pense que je vais pouvoir passer. Ok, let's go.
Ça va, j'ai l'impression d'être à la mer, tu sais, dans un tube. Tube. Non, attends, attends. Attends, attends, je suis pas prêt. Ok, on attend la vague. Et dès que la vague elle est terminée, on y va. Et salut Wistiti, comment tu vas? Bienvenue à toi. Allez, Lucas, je suis avec toi. Non. Oh la vache, oh la vache. On court. Oh le pont, le pont, le pont. On n'y arrivera pas. Si, si, on y arrive, on y arrive. T'inquiète, le pont c'est comme Moïse, ça séparera en deux. Oui. Allez hop. Trace Hugo, trace. Oh non, je suis claqué. On y est. Mais voilà, c'est passé comme une lettre à la poste. Pourquoi on a stressé? Moshi Moshi? Combien de temps? Oh. Il est là, Lucas. Oh, aïe, 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 aïe. Oh non, 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 mais me fais pas aller au fond de l'enfer, là. Caché sous une couverture. Comme quand t'étais triste. La nébula se condense autour de lui. Ça doit être terrifiant, là-dedans. Non, on se trouve, il est en train de boire son meilleur apéritif, là. Tu sais ce qu'on va y trouver? Difficile à dire. Essaie d'imaginer un creuset géant où la macula, Hugo et la nébula ne font qu'un. Une vision d'un enfant trahi qui s'évapore dans l'atmosphère et change le monde. C'est ça le dernier seuil. Les lois de la nature n'ont plus cours. Alors on doit le traverser aussi. Pour atteindre ton frère, oui. Ça pue la merde, votre histoire, là. Moi, je veux pas donner mon avis, d'accord, hein. Mais c'est chaud, hein. J'ai pas encore fait le jeu, alors me spoil surtout pas. Je peux tout découvrir. Et salut Galad, comment tu vas? En tout cas, c'est gentil à toi de me préserver. C'est très gentil, Wistiti. Il n'y a rien de pire que se faire spoil. Surtout que j'ai bien kiffé, je me suis pas fait spoil du tout. Et là, on enchaîne. Là, on va faire la fin du jeu. On est depuis le chapitre. Depuis 17h, on est ensemble. Et on a vu pas mal de choses, et ça régale. Bon, bah, let's go, hein. Oh, je sais pas dans quel état on va retrouver Hugo, mais ça va être compliqué, je pense, hein. Déjà qu'il nous a fait peur qu'il était en mode robot, là. En plus, t'arrives sur une fin de Let's Play, en plus, Galad. Donc, véritablement, le plaisir. Non, t'inquiète, oui. Si vraiment je suis en galère, je vous demande de l'aide, mais sinon, pas besoin. C'est vraiment quand moi, je vous le demande, vous pouvez me donner des indices, mais sinon, de base, pas besoin de me backseat ou autre. C'est que quand je suis vraiment en galère, c'est moi qui vous demande de l'aide. Par contre, on a perdu Lucas dans l'histoire. Lucas? C'est ta priorité. Bon, il m'entend pas. C'est Hugo. Trouve-le. Oh non, j'ai plus l'arbalète. J'ai qu'une fleur pour me défendre. Je suis sûr que j'ai plus rien. Ah si, j'ai une fronde. J'ai qu'une fronde. Ok, très bien. Vamos. J'aurais peut-être dû l'améliorer à fond. Hugo, c'est moi. Très... Je suis là. Hugo? Amicia, je suis là. Oh putain. Ça va, c'est une statue. Non. Impossible. Qu'est-ce que c'est? Oh, le phénix. Le phénix qu'on cherchait. Le phénix. Fume sec. Beau gosse. Je dois suivre le phénix. On se rappelle de ce qu'on a fait dans l'épisode 8, 9 par là. Ah, ils sont toujours plus gros, plus en plus gros les phénix, hein. Oh, par contre, ces couleurs là. On courait couleur. Non, je suis censé le faire, Wistiti. J'attendais de finir Uplectel pour le commencer. Et pas de spoil non plus sur celui-ci. Il signifiait quelque chose. Ouais, mais pas compris, Amicia. Enfin, pas compliqué, tu suis les phénix. Est-ce que je perds la tête? Non, mais il est toujours de plus en plus grand. Donc, comme je disais, ouais, j'ai l'impression d'être dans du vomi. Genre, au niveau des couleurs, c'est très particulier. Les lois de la nature. Genre ces couleurs jaunes là. Oui. Accroche-toi à ça. Oh, ça me donne envie de vomir. J'ai l'impression que plus je vieillis, plus je suis sensible aux couleurs. Putain, je dis vraiment vieillis, hein. Bientôt je vais arriver et faire salut les jeunes. Non.
C'est toi. Hugo ! Pourquoi Hugo, il me parle ? Seigneur, où es-tu ? Je suis là. Tout proche. J'arrive, Hugo ! Je ne vois pas ! Parce que tu regardes encore en arrière. Il n'y a que ces oiseaux ici ! Ils montrent la voie, n'est-ce pas ? On a essayé cette voie, Amicia. Et c'était un mensonge. Pas entièrement. Il y avait une part de vérité. Ah ouais, je suis dans la bulle, là ? C'était un mensonge. Ah ouais, je suis peut-être dans la bulle, là, t'as raison. Ce sont les gens qui l'ont apporté. Hugo, je dois trouver une voie pour te... Non mais un moment, ici. Regardez, j'ai même plus besoin de les suivre, hein. Je vais direct par là, hein. Les choses ont changé. Je trace tout droit, hein. J'ai plus besoin de faire un zigzag. J'essaye. Bon, j'écoute pas du tout ce qu'ils se disent, hein. À mon avis, c'est non, tu peux le faire. Réfléchis, Amicia. Ça fait penser au sable du Sahara. J'ai pas eu la chance d'y aller, donc... Merde, j'ai pas suivi l'oiseau. Ok, tout droit. J'ai pas eu la chance d'aller dans le Sahara, donc... je peux pas dire. Fais quelque chose. Par l'Espagne, l'Angleterre, j'ai pas pu... J'ai pas beaucoup voyagé, hein. Ah, on voit un petit peu de soleil. Ça pique les yeux, regardez. Hop, vous êtes aveugle. On est ravis. Pourquoi tu continues à suivre ces oiseaux ? Je suis perdu, Hugo. Oh. Attends, il est en train de me dire qu'il faut... Cet endroit appartient au passé. Quitte-le. Ok. Trouve ta propre voie. Ok, Hugo. Il faut que je trouve une voie de sortie. J'arrive, Hugo. J'arrive, j'ai compris le message. Tu m'as dit que j'étais une grosse merde, de manière involontaire. Pas de soucis, Aurore. Tu regarderas la fin... Oui, c'est ça, je pense. En rediff. Oh. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je me sens... Je sens, ça sent la mort. J'arrive, Hugo. Ah. Je sais que tu es perdu et effrayé, mais je suis là. Pourquoi je plisse les yeux ? J'ai un problème, moi. Je veux te voir. Quoi ? Oh, vamos ! Ah, pas du tout agréable, par contre, ça. Qu'est-ce que c'est ? Ouah ! Ouah ! Ça me fait penser à la fin dans Berserk. Enfin, à la fin, chapitre 3. Oh non. Oh là. Oh là 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 là. Je peux bouger. Vilain. Dégagez. Oh putain. Putain, j'ai bien fait d'avoir amélioré ma fronde, hein. Ne t'inquiète pas, je vais les avoir. Ok. Est-ce qu'il faut que j'arrête de me battre ? Je pense qu'il faut que j'arrête de... T'inquiète, je gère ! Bon, je vais crever, c'est sûr. Oh là, oh là. Ils s'arrêteront pas. Arrête de jouer les durs. Ok. Ça ne te réussit pas. Allez. Ah, faut écouter Hugo. Faut l'écouter. C'est vrai qu'on dirait la tête des manches morts, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quoi ? Non. Je suis revenu en arrière. Tu es coincé dans ta tête. C'est dur d'avancer quand on a peur. Ok. Je sais. Ça va aller. Tu vas y arriver. Oui. Je vais réessayer. Je vais apprendre. Ok. Donc on suit pas les oiseaux. Ça doit marcher de la même façon. Il faut que j'y retourne. Ah non, je veux pas suivre les oiseaux. Oh. Une sortie. Je dois trouver cette sortie. C'est loin des oiseaux, ça on a compris. La majorité d'Hugo, il a que 6 ans. Bah écoute, vu ce qu'il a traversé, c'est vrai que... Non mais c'est chiant les oiseaux là. Bordel! Ils ont dit que je dois pas suivre les oiseaux, donc tout sauf les oiseaux. Mais quel enfer. Faut pas que j'aille tout droit, faut pas que j'aille par là, faut pas que j'aille par là. Attendez, il y a un truc que j'ai loupé. Peut-être par là. Sinon, faut que j'aille tout droit en vrai. Attendez, je tente un tout droit.
Ok. Ok. Je pensais pas mal. En vrai, je pensais pas mal. Putain, c'est marrant ce système de gameplay là. Je trouve ça très intéressant. Ok, je pense qu'on est pas mal. On a plus d'oiseaux. Voilà, yes, parfait, 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 parfait. Tu apprends. Ouais, c'est vrai, hein. Et ça, en tombant, on se relève plus fort, hein. Tiens bon. Là, pour le coup, on est beaucoup tombé avec Hugo et tout ça. Ok, donc là, il faut pas que j'attaque les démons de minuit. J'arrive! C'est beau, les héros les arrêtera pas. Mais je devais pas me laisser mourir? Ça va me refaire le truc? Attendez, j'ai un doute. Hein. Je retente, c'était. D'accord, donc il faut que je les élimine tous. Non! Encore ces maudits phénix! D'accord. Oh, réfléchis, bon sang! Qu'est-ce que tu fais? Ne sois pas si dur avec toi-même. C'est pas facile, c'est tout. Mais tu vois plus clair maintenant. Tu as appris. Oui, j'irai jusqu'au bout. Je sais. Attends, attends, attends. Parce que du coup, là, allez. Faut pas que je suive les oiseaux. Je dois y retourner. Allez. Donc il faut pas que je tape les... Alors si, peut-être qu'il faut que je les tape, mais après ils sont trop nombreux. J'ai que des pierres et que des trucs de feu. Alors attendez, est-ce qu'il y a peut-être un élément que j'ai loupé au milieu des crânes et tout? Bah attends, je vais peut-être trouver, hein. Si vraiment au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, on n'a pas trouvé. Mais je vais trouver, attendez. On n'est pas à notre premier jeu avec des énigmes quand même. Ça me fait du Uncharted et tout. Mais je pense que ça fait partie du... fait partie du truc, hein. Bon, déjà, on a compris par où on devait aller. C'est déjà pas mal. On perd un peu moins de temps. Est-ce qu'il faut pas que j'éteigne le feu? Vous ne m'aurez plus. Il y a un truc. Non, je peux pas l'éteindre. J'ai pas de. Distinguish. Ce qu'il a dit, arrête de te battre. Ça me fait du mal de te voir de te battre comme ça. Me laisser mourir, ça marche pas. Le boléro, ils disent que ça suffit pas. Arrête de faire les mêmes erreurs. Tu dois aller de l'avant. Mettre fin à ce combat. Comment commence, tu vois? J'essaye de comprendre. Ok. Mais j'ai besoin de temps. La réponse que tu cherches est juste là. C'est une illusion de protection. Ce bras zéro. Oui. Un symbole d'un autre temps. De tes anciennes croyances. Ouais. Il faut que je l'éteigne. Bah ouais, c'est bien ce que je pensais, l'éteindre. Bah c'était bon dans mon optique, me laisser crever, c'était bon. Tout ça. Assez de me battre. S'il te plaît, j'ai besoin de te voir. Pour ça j'ai bien fait de checker si je pouvais lancer autre chose que du feu. Où es-tu? Je suis là. Hugo, viens, viens. C'est un fantôme. Ah non, c'est vrai? Oh. What the fuck? J'ai cru que je te reverrais jamais. Moi aussi. J'ai eu tellement peur. Avec ma petite flèche dans le carquois, là, le plaisir. C'est même pas tu un carquois, mais... Oui. Tu sais comment sortir d'ici? Oui. Suis-moi. Oh. Oh. Allons-y. Parfait, on a récupéré le frangin. D'une façon ou d'une autre. Amicia... Je croyais que tu étais. Ah bah oui, tu m'étais. On t'a vu, hein. Pendant qu'on se battait avec le comte Doku. J'ai cru que j'étais tout seul. On s'en s'est fait. Alors j'ai fait une bêtise. Hugo. On a vu. Merci beaucoup Wistiti pour le follow. Bienvenue à toi. C'est une grosse bêtise. J'espère que tu te plairas ici en tout cas. Je le sais. Putain, ça me fait penser dans le tout premier, dans Innocence, où t'es entre les deux montagnes. On peut encore arrêter ça. Trouvons la maison de mère et commençons à vivre. Pour de vrai. Mais on l'a mérité. Ouais, mais t'es pas soigné, hein. Me dit quelque chose. La sortie est par là, tout au bout. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous aider? Bonjour. Femme. C'est à la fin du 1, ça, non? Qu'est-ce qui vous arrive? Oula, oula! C'est le garçon! Crise cardiaque. Il l'a tué! Foudroyé par ma beauté. Tué? Mais quoi? Comment?
Ouais, on dirait la fin du 1. Ah, ou on dirait le... Ou au début du jeu. C'est la bêtise que j'ai faite. C'est ce que je suis devenue. Oula, oula. Ne restons pas là. Viens. Ok. On doit arranger ça, Amicia. Comment tu vas arranger ça? À part trouver l'île ou pour te soigner, et encore, c'était une connerie, cette île? Oh là là, il va buter tout le monde. C'est Arl? C'est peut-être moi. Tiens, c'est foudroyant cette peste noire là, hein. Le plaisir. J'aimais tellement cet endroit. Ah ouais, c'était Arl, c'est bien ça. Tu dois arrêter ça. Mais je peux pas. Je peux pas, j'adore tuer. Hugo, calme-toi. Tu as déjà tout oublié. C'est un mensonge. C'est la Macula qui nous joue des tours. Ça, c'est pas fou. C'est moi. Oui, mais tu peux la contrôler, Hugo. Contrôle le côté obscur qui est en toi. Plus facile, plus séduisant est le côté obscur de la force. La Macula prend toute la place. Et voilà ce qui se passe. Oula. Oh là, ça va être une boucherie, frère. On doit faire quelque chose. Il faut empêcher les gens de mourir. Peut-être que si on s'en va, ça s'arrêtera. Je suis obligé d'avancer, je peux pas faire demi-tour. En vrai, je me... Oh, allez. Crevez tous. Hugo, ça peut s'arrêter. Je les mange, Amicia. Pas seulement eux. Je les mange. Putain, mais quel... Ça va me donner faim, ça. Bon appétit à tous ceux qui vont manger, d'ailleurs. Pas encore. Il nous reste une chance. La toute dernière. Dis-moi, je ferai n'importe quoi. Je crois que tu le sais déjà. Je... Il faut qu'il me... m'arrêter. Pour arrêter la Macula. Oula, quoi, non? Tu peux pas me demander quick, ça. Quick, quick, quick. Tu es la seule à pouvoir m'empêcher de devenir un monstre. Quick, quick, quick. Pas un monstre. Je vais le devenir. Si je tue tout ce que j'aime. Quick, quick, quick. Toutes les belles choses que tu m'as montrées. Je comprends, mais... S'il te plaît. Je... Putain, depuis le début, je dis qu'il faut le buter, ce gosse. En fait, Vaudin, il avait raison. Oula. Bienvenue dans Dark Souls. D'accord. Et maintenant, Hugo, où es-tu? Eh ouais, c'était pas... Je suis désolée. Mais tu es prête maintenant pour tout sauver. Prête? Comment je pourrais être prête? Je suis la protectrice, hein. Mon but, c'est protéger, hein. Mais je ne peux plus... Protéger et servir. Il n'y a que toi qui peux le faire. Hugo! Je t'aime. J'ai été heureux avec toi. Non, je vais pas pleurer. Au revoir, Amicia. Je t'aime. Je t'aime tellement. Oh non, c'est la tristesse. Oh non! Mais quand tu seras parti... Oh non, ça me rappelle les... Oh, j'ai envie de chialer. J'ai envie d'y aller, pour de vrai. Je me retiens parce que j'aime pas. Oh la vache. Je peux pas. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il a spawn comme ça de nulle part, là. Lucas? Je suis là. Je suis là. Dans sa grande gueule. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Roi Hugo. Atteindre Hugo. Et les rats, ils vont reculer. Oh, ils reculent. Reculez. C'est vrai qu'il vous a adressé. Oh là là. Oh, le Moshi Moshi. Oh, ça me donne faim.
Non, pas les rats, mais la boule. J'adore les raviolis vapeur. Ça me fait penser à ça de ouf. Hein. Petit ravioli crevette. Oh. Il a sorti tout ça de son petit corps, là. Une belle gastro, ça. Hein. Oh, d'accord, il y en a les teintes rouges qui commencent à apparaître. Les petits choristes derrière. Toi sur ton chemin, comme un oublié garé. C'est un peu ça, hein. Prends des petites photos pour les mettre sur le Discord. Amicia, on y est. Allez, sors la balette dans la gueule. Waouh. Allez. On l'a suffisamment regardé, là. T'as gardé un couteau sur toi ? Quoiqu'il nous reste un carreau d'arbalète, en vrai. Hein. Headshot, motherfucker ! Allez, vise bien, hein. Le rate pas, t'as qu'une seule chance, hein. Hugo, Starfoula, je t'aimais. Je suis obligé ? Je suis une grande sœur dégueulasse. Oh la tristesse, non! Mais quel enfer! Et là en fait, tel l'ultra inst... Quoi? Mais vous foutez de ma gueule! C'est... Quoi? Arrête! Ah, je m'attendais à tout sauf ça, hein. Ah, pour le coup, Ah, bah d'accord. Très bien, je... Non, mais il n'y a pas de... genre... Je sais pas, un happy end, ils vécurent heureux et eurent des enfants plein. On a vu Amicia là qui a fait des petits clins d'œil à Lucas là, tu t'es dit golo golo dans la cassa là. Ah d'accord, très bien. C'est vrai qu'il y avait Big Fio et Oli qui ont fait leur voix au début du jeu. Il y aura certaines, ouais je pense, hein, je pense qu'il y aura un 3. Hein. Je pense qu'il y aura un 3, ça peut pas se finir comme ça, mais du coup qu'est-ce qu'ils vont faire dans le 3? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que c'est le retour d'Amicia, le retour d'Hugo? Ouais, ça serait bizarre quand même hein. C'est vrai. Bon, bah, qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce let's play pour ceux qui l'ont vu du début à la fin? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça ne vous a pas plu? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire ça. En tout cas, moi, j'étais très content. J'avais fait le 1 il y a 2 ans et véritablement, bah, j'étais. Je voulais voir. Voilà, je voulais voir la suite parce que je trouvais ça le jeu très sympa. Rappelons que c'est fait par Asobo, comme on l'a vu au début du générique. Et tout simplement, ça, c'est une boîte bordelaise, hein, un studio français, donc ça, ça régale, ça fait extrêmement plaisir. Ils vont interpréter Plectel en série Netflix. Ah, écoutez, tout ce qui fonctionne, hein, on le voit avec The Last of Us et tout, ce sont dès qu'il y a un petit peu d'argent à gagner, ça peut le faire. Hein. C'est vrai, clap à Sobo. J'ai pas vu le début. J'ai pas vu du début à la fin, mais certaines parties, et celles que j'ai vues, ça t'a plu. Eh ben parfait, si j'ai pu vous faire découvrir c'est l'objectif. Hein. Je sais qu'on n'a pas forcément tous les moyens, et je dis ça, j'ai pas forcément les moyens, mais de s'acheter des jeux et d'en découvrir certains, ou pas forcément l'envie d'y jouer, juste de kiffer.